ils élèvent leur première fille, leur premier enfant comme une fille, même c'est si c'est exact. Un garçon. Mais et c'est pour une autre raison, cher ami. Je vais te l'expliquer, parce que la remarque vaut. C'était la même chose dans tous les pays du monde à une époque, même en France. En France, les premiers-nés, ils étaient offerts à l'Église. Et je te rappelle que l'Église, le monsieur, le pape, se trimballe avec une robe. C'est parce que ces choses-là étaient faites ainsi. Le sous-entendu culturellement, parce que c'est un déchet, si je puis dire, d'une haute civilisation, c'est que le premier-né, il manifeste la reconnaissance de la famille à travers sa fonction de prêtre. Or, le prêtre n'est ni homme ni femme. Voilà. Il n'est pas attaché aux choses terrestres, c'est-à-dire il n'a pas de sexe. Grosso modo, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pourquoi, lorsqu'on critique les prêtres qui ne se marient pas, les bonnes sœurs qui ne se marient pas, il y a des erreurs ontologiques importantes. On ne discute pas aussi légèrement de ces choses-là sans savoir. Mais c'est valable partout. De toute façon, quand tu dis dans ces îles-là, c'est partout. Ça a toujours été comme cela. On a même les lettrés chinois qui ont conservé cette habitude parce que les lettrés et les prêtres, c'était la même chose avant, les savants et les prêtres.